la paix, la victoire. Chers militants, en guise de bilan de l'année 2022 et pour rappel, il faut noter ce qui suit. Au titre de l'implantation et de la redynamisation des structures de base, au cours de l'année écoulée, nous avons procédé à l'investiture d'une fédération à Bangolo et à l'installation de 21 sections dans la même localité. Nous avons installé une coordination à San Pedro. Au titre du renforcement des capacités des cadres et militants, nous avons organisé un séminaire des cadres au cours duquel les militants ont été informés sur les motivations et les objectifs du G8 créé au lendemain du dialogue politique, thème animé par le président Asselou Laurent, président de l'APRC. Au cours de ce séminaire, les capacités des militants ont été renforcées pour l'obtention d'élus sous la bannière du parti aux prochaines élections. Le thème a été animé par le président Nguessan Kofi Tchall, président du CDI. Au cours de ce même séminaire, les militants ont été instruits sur la mise en place et le fonctionnement des structures d'entraide créées par le parti financer ses activités et ses structures sont, pour rappel, mise, partage et chaînons de solidarité. Le thème a été animé par votre secteur, président du parti. Au cours de l'année 2022, nous avons organisé la 4e session de l'école du parti. Ce séminaire a permis au cadre de l'UDCI d'être sensibilisé aux valeurs de la culture de la paix, de la démocratie et de la citoyenneté, ainsi qu'à la pratique de la tolérance politique. Le thème a été animé par le docteur Blaise Normandère, président de la CIEP. Au cours de la 4e session de l'école du parti, les militants ont été informés sur l'efficacité de l'utilisation du mécanisme alternatif de règlement des différends, surtout liés aux élections. Ce thème a été animé par le secrétaire général Douka Marcelin. Au titre des activités politiques, il est à noter ce qui suit. Le 5 mars 2022, le président de l'UDCI a signé le rapport final de la 5e phase du dialogue politique qui s'est achevé après 2 mois de négociations. Le mois suivant, à l'occasion d'une conférence de presse, les présidents de l'UDCI, de l'APRCI et de MNC Alternative ont demandé la bienveillance du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, dans la mise en œuvre des recommandations de la 5e phase du dialogue politique. Cette conférence s'est tenue ici même au siège de l'UDCI. Le président de l'UDCI a pris part au congrès tenu à Yamoussoukro. Le Parlement s'était réuni le 19 avril 2022 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à l'occasion de l'adresse du président de la République sur l'état de la nation. Le 14 juillet 2022, l'UDCI a co-signé une déclaration du G8 qui exprime sa satisfaction suite à la rencontre entre les présidents Alassane Ouattara, Henri Konan-Bédié et Laurent Gbagbo au palais présidentiel. Le 7 août 2022,
le président de l'UDC invité, a pris part aux cérémonies du 62e anniversaire de la fête nationale qui s'est déroulée à Yamoussoukro. Du 21 au 23 septembre 2022, le président de l'UDC a signé pour le compte du parti le document final qui consigne les recommandations consensuelles qui ont sanctionné l'atelier organisé par le NDI à Grand Bassa. À Diokoué, le 15 novembre, sur invitation du ministre de la Réconciliation, le président de l'UDC a représenté le parti à la Journée nationale de la paix et de la réconciliation. Le 4 juin 2022, l'UDFC a organisé la première édition de la fête des maires à Bangolo, placée sous le parrainage de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Une cérémonie de distinction au rang des pionniers de 22 militants de l'UDC pour service méritoire rendu au parti a eu lieu le vendredi 2 décembre 2022 sous le parrainage de son Excellence Éric Taba, chef de protocole du président de la République, lui-même distingué au titre de pionnier. Dans le cadre des échanges sur la situation sociopolitique, le président de l'UDC a rencontré en audience certaines personnalités. Le ministre Kwadio Kona Bertin, Madame Monica Descala Ruspoli, conseillère chargée des affaires politiques, représentant l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Claude Saï Soumaoro, chef de cabinet du président de la République. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Bankondo, demandé. L'ambassadeur Éric Taba, chef de cabinet, chef de protocole du président de la République. Madame Namizada Sangaré, présidente du Conseil national des droits de l'homme. Le président de l'UDC a accordé plusieurs interviews, notamment à la Web TV de l'Intelligence d'Abidjan, au menu l'actualité de l'UDC, la vision du parti et la position de l'UDC sur le dialogue politique. À VOA, Voix d'Afrique, Amérique, la radio et la télé ont accordé une interview au président de l'UDC pour faire le décryptage de la cinquième phase du dialogue politique qui est en cours. Dans Soir Info, pour saluer l'État, pour saluer le chef de l'État, suite à la nomination de Timo Kourmile Kone et de Patrick Hachi, dont le mandat venait d'être renouvelé. À la radio de la paix, sur l'affaire loi d'amnistie réclamée par le PPACI, le président de l'UDC a donné son point de vue. Dans le quotidien Le Patriote, sur les recommandations de la cinquième phase du dialogue politique, ces recommandations étaient diversement appréciées par les acteurs politiques, dont notamment le PPAC. Dans le quotidien L'Intelligence d'Abidjan, en marge de la cérémonie hommage au président de la République tenue à Toulouse, dans le quotidien Notre Voix, une grande interview sur l'actualité politique. Dans Soir Info, à propos de la révision de la liste électorale, le président de l'UDC a encouragé tous les Ivoiriens en âge de voter à aller se faire enrôler. Comme vous le notez, la presse a joué son rôle pendant le mandat 2022. Nous profitons donc de l'occasion pour remercier de façon appuyée toute la presse nationale qui répond présent à toutes nos sollicitations. Mention spéciale à Frappe Mat et à Soir Info. Citoyennes, citoyens, cette année 2023, nous démarrerons nos activités par une action sociale. En effet, la jeunesse de l'UDC convie tout le parti à la finale de son grand tournoi
de football le 29 janvier à Bogo. Tout à l'heure, au cours de la réunion, on vous en dira davantage. Cette année 2023, l'école du parti tiendra sa cinquième séance de session de formation, cette manifestation ayant pour but le renforcement des capacités des militants et cadres sur les questions politiques et d'intérêt général, et la vie du parti sera organisée le 4 février prochain par la nouvelle coordination UDC de San Pedro. Cette année 2023, le 25 mars, à Bangolo, nous ferons la rentrée politique de l'UDC qui sonnera la mobilisation de toutes les sections investies au cours de l'année 2022 ainsi que celles qui le seront au mois de février prochain. Cette année 2023, conformément à nos statuts et règlements intérieurs, nous organiserons une convention nationale de l'UDC afin de nous accorder sur la stratégie d'amorce des échéances électorales municipales et régionales prévues se tenir au mois d'octobre prochain. Au cours de cette assemblée générale, la liste des candidats du parti sera arrêtée. Mais nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer que l'UDC présentera des candidats dans plusieurs circonscriptions. Ainsi, nous irons prendre la commune de Bangolo pour lui donner un nouveau visage, un visage plus reluisant. Nous irons à Mbato, nous irons à Sassandra, nous irons à Bloléquin, nous irons à Diokwe, nous irons à Jabi et bien d'autres localités. Sans oublier les listes d'union au régional avec nos partenaires. Dès le lendemain de la convention nationale, nous nous mettrons en ordre de bataille sur le terrain pour apporter le soutien nécessaire à la victoire de nos champions. Ces batailles futures, nous sommes certains de les gagner, main dans la main avec nos partis frères de la plateforme Agir pour la paix et l'unité, avec ceux du groupe des 8 leaders, le G8, et naturellement en accord avec notre principal partenaire, le RHDP. Citoyennes, citoyens, comme nous l'espérons tous, comme nous le voyons tous, cette année 2023 sera l'année d'une UDC encore plus conquérante et victorieuse. Comme il est dit dans La Citoyenne, l'hymne de notre cher parti, la victoire est pour demain. Soyons forts, main dans la main. Qu'il en soit ainsi. Bonne et fructueuse année 2023 à l'UDC. Heureuse et sainte année 2023 à toutes et à tous. Que Dieu bénisse chacun de vous et qu'il réalise nos vœux les plus chers pour cette année 2023. Je vous remercie. Président de l'UDC. Alors, dites-nous pourquoi vous avez organisé cette rencontre, les raisons. Il s'agit de la première rentrée, la première réunion de l'année 2023 du parti. C'est une réunion traditionnelle. En début d'année, nous organisons cette rencontre pour pouvoir faire le bilan de l'année écoulée et tracer les perspectives pour l'année en cours. Voici l'objet de cette rencontre. Alors, pour l'UDC, quels sont les objectifs pour 2023? Pour 2023, comme vous pouvez l'imaginer, nous sommes dans une année électorale. Et donc, l'UDC se met en ordre de bataille pour remporter des sièges aux prochaines élections municipales et régionales. Et nous envisageons donc nous mobiliser sur le terrain pour remporter remporter les élections à Bangoul, par exemple, à Mbato, à Sassandra,
à Jacquesville, à Bloléquin, à Tioukoué et dans bien d'autres localités. Bien entendu, nous ferons ces campagnes avec nos partis frères, avec lesquels nous cheminons habituellement, les partis membres de la plateforme Agir pour la paix et l'unité, les partis membres du G8, bien entendu avec notre principal partenaire qui est le RHDP. Alors, Président, pourquoi le choix plus précisément de ces villes cités? Ces villes cités ont une histoire à l'UDC. Ce sont les villes dans lesquelles le parti s'est installé, dès sa création. Et les militants dans ces localités sont très dynamiques et sont présents sur le terrain. Et ce sont eux qui ont déjà annoncé leur vérité de candidature. C'est pour cela que nous les citons nommément. Sinon, en dehors de ces localités, le parti sera bien présent dans d'autres localités pour essayer de rencontrer les mairies, les conseils régionaux. Alors moi j'ai une question, je vais vous ramener un peu en 2022. Pensez-vous que vous avez atteint vos objectifs pour l'année 2022? Oui, les objectifs ont été largement dépassés. Nous avions pour objectif de réinstaller le parti. Pour la petite histoire, nous avons pris le parti en 2020, au lendemain du décès du père fondateur Mel Ectodor. Et à l'issue d'un congrès extraordinaire, un nouveau bureau a été mis en place, qui m'a été confié. C'était donc notre devoir de réinstaller le parti sur l'échiquier national. C'est ce que nous avons fait pendant ces deux années. Et en 2022, comme vous avez pu le constater, nous avons installé une grande fédération à Bangoro, installé plusieurs sections et une coordination à Sambedo, dont le principal coordonnateur au niveau national est avec nous ici, mon vice-président. Alors, président, dernière question, un petit rappel pour nos téléspectateurs. Vous allez nous donner la date de création de l'UDC et puis on nous dit la mission principale, juste un petit mot. L'UDC est né le 6 janvier 2000, créé par Persona Meltec Todor. Il avait pour but de fédérer toutes les énergies des Ivoiriens en son temps qui ne se reconnaissaient pas dans les partis traditionnels qui étaient sur le terrain. L'UDC est venu pour apporter une nouvelle image, un nouveau son de cloche. C'est un parti centriste, libéral, mais qui a pour objet essentiel de défendre les institutions de la République. Quand nous disons défendre les institutions de la République, nous ne voyons pas les individus, ni ceux qui les incarnent. Nous parlons des institutions elles-mêmes. Donc, quel que soit celui qui occupe momentanément ces institutions, nous avons pour ambition de l'amener à réussir sa mission. Et c'est pour cela que vous verrez que tantôt, quand le pouvoir change, les gens pensent nous voir forcément du côté de l'opposition, mais non, nous, c'est les institutions que nous défendons et nous ne cesserons pas d'agir dans ce sens. Alors, puisque nous sommes sur un terrain politique, j'ai une question. Quelles sont les actions comptes menées en 2023 pour la décrispation de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire? Bon, à ce niveau, vous ouvrez une porte déjà largement ouverte. Nous, à l'UDC, en ce moment, nous avons participé à toutes les étapes des dialogues politiques qui se sont déroulées jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la cinquième phase. Et au sein de ce forum, nous jouons le rôle de pacificateurs. Quand à un moment donné, les positions sont tranchées, nous amenons les uns et les autres à trouver le consensus et de faire prévaloir l'intérêt général. Et c'est ce rôle-là que l'UDC a toujours joué au sein du dialogue politique. Nous continuerons de le jouer. Et même sur le terrain, nos militants, nos membres qui vont sur le terrain ont toujours pour mission de passer le message de la paix, de la réconciliation et de l'unité nationale. Nous continuons de nous inscrire dans cette dynamique. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci.